Allez, salut tout le monde, c'est Crawler18 et on se retrouve aujourd'hui pour le 15e épisode de Pokémon version rouge feu. Attention, 15e épisode, la moitié pour arriver à 20. Même si on s'en fout, hein, clairement on s'en fout que ce soit le 15 ou pas. Donc voilà, toujours avec les mêmes équipes, j'ai été les soigner entre les deux épisodes. Donc c'est plutôt cool et puis du coup on va repartir, on va mettre Spectre en premier. Histoire de le faire évoluer, hein, parce que c'est un peu le but. Le but c'est de le faire évoluer et du coup let's go, on se fait les dresseurs. Le dresseur qu'on va faire en accéléré, parce que à mon avis il y en a la masse et on n'a pas trop envie de se prendre la tête à que ce soit super long. Donc on va faire ça rapidos. Niveau 34, ça c'est cool. Vivement qu'il évolue notre spectre, en espérant qu'il meure pas, hein, ça serait con quand même. Dardarnian, ça va le faire. Ouais ça va le faire, hop, tac. En plus il gagne beaucoup d'XP. Voilà, Nosferalto, il n'y a pas de souci aussi, on va faire la même. C'est vraiment dévastateur comme combo, hein, Devorev et Hypnose Devorev. Ouais, c'est vraiment pas mal. Allez hop, à toi. D'ailleurs, on va pouvoir capturer un nouveau Pokémon sur cette route, donc c'est plutôt cool ça. Méga Sensu, ok, il n'y a pas de souci. Méga Sensu, pas de souci. Hop là, c'est fait. Devorev et One Shot. Bah, c'est cool, niveau 35. Goupix, on va le tuer aux ténèbres. Ah, il fait mal quand même, il fait mal avec le lance-flamme, mais ça passe. Allez, suivant. Armure, par contre, on va passer sur Aiko. Hein, parce que tuer un type acier avec un Photominus, enfin un Spectrum, c'est pas super. Ningal, on va le laisser. Hein. Allez, hop. Comme ça, c'est fait. Allez, à toi maintenant, let's go. Armulis, Armulis, on va y aller au ténèbres parce qu'il a que armure, donc tant mieux. Hop, voilà, nickel. C'est Vipère. C'est Vipère, on va y aller au Devorev. Au revoir. Au revoir, hein. A très bientôt. Content de t'avoir connu, c'est Vipère. Hein, ciao. Il a eu chaud le spectre là, hein. Il a eu très très chaud, je dois dire. Ouais. Il est pas passé loin. C'est pas passé loin. On va utiliser une petite potion quand même. Hein. Histoire de. Même deux petites potions. Parce que on a failli perdre notre Spectrolo là. Hein. Ouais, on a failli. C'était chaud. Ouais. J'avais pas pensé qu'il. What? Potion. Ok, bon, on l'a eu. Lilia. Acide, ok. Ce qui est con, c'est qu'ils ont tous des attaques cheatées. Enfin, ils ont tous des attaques morsures ou trucs dans le genre. Du coup, ça fait un petit peu peur. J'ai peur qu'il y en ait un qui me tue. J'ai le pire, ok. Ok, bon, parfait. Tentacruel. Ouais, normalement, avec Devorev, on le one-shot. Ouais, parfait. Ok, bon. Ça va, on a réussi. Il est pas mort, hein, le spectre. Il a eu très, 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 très chaud. J'ai eu peur. J'ai eu peur. C'était juste. Et donc, attention. Attention, c'est un Photominus. Photominus qu'on n'a pas. Donc, on va devoir le capturer. Ouais. Bah, écoutez, on va y aller au hypnose. Ah. Ok, bon, bah on va switch, hein. Tout de suite, ok. Onde folie, ok. On va y aller à la boule direct, vu que s'il s'est affaibli, je pense que ça passe. Ok, bon, on l'a eu, nickel. Du coup, lui, comment on peut l'appeler? Donner un surnom. Comment est-ce qu'on peut appeler un Photominus? On va l'appeler boule puante, voilà, parce que c'est une boule et que ça a un gaz autour de lui, donc on va imaginer que ça pue. Comment on va... Ah, écoutez, on va l'écrire comme ça, boue, parce que boue, ça fait boue dans Mario, les boues. Et du coup, voilà, c'est plutôt cool. Donc on va écrire Bou comme ça. Et on va écrire le puant après.
Ouais, c'est plutôt pas mal. Y a de la recherche là. Le puant. Voilà. Voilà, on met pas de up parce qu'il n'y a pas la place, mais on s'en fout. C'est plutôt pas mal. Boule puante. Ok. Ouais, c'est vraiment pas mal comme, comme truc. Bon, bah écoutez, on va regarder ce qu'il y avait. Tarsal. Ah, Tarsal, ça aurait pu être bien. Ok. Mais bon, c'est vraiment pas mal d'avoir trouvé un spectrum. Hein. Comme ça, si celui-là il meurt, eh ben, pourquoi pas en avoir un autre. Recoupes, ouais. Rhino féroce. Ah, Rhino féroce, ça aurait été badass. Oh, Impec. Oh, ça aurait été tellement cheaté ça, les gens. Impec, imaginez-vous un putain de Tyranossif. Ça aurait été tellement énorme. Mais bon, après, voilà, on peut pas tout avoir. C'est déjà bien d'avoir eu un Fantominus. Hein. Franchement, c'est pas mal. Donc, ouais. Ok, ok. Oh putain, il a Marcombre aussi. Aïe. On va faire gaffe parce qu'il risque d'avoir la même attaque que Culbutoke. Hein. Ok, c'est bon, on l'a eu. Parfait. Caninos. Ah, Caninos, ça aurait été bien aussi. Absol, ah, Absol c'est badass. Là on va switch par contre. Parce que voilà. Parce que YOLO il est type ténèbre. Ouais bah écoutez, il me semble pas qu'il y ait d'autres trucs. Ouais bah franchement c'est pas mal. On n'a pas eu le meilleur. Le meilleur ça aurait été Impec je pense. Mais on a eu un truc pas mal. Franchement le Fantominus. Donc allez c'est parti. Chenipan et l'autre. Ok donc on va partir sur Hypnose sur lui et Chenipan. Bon, on va faire Ouragan, comme ça, ça touche les deux. Alors, Devorev et Ouragan. Voilà. On va partir sur du Ténèbres et sur du Ouragan. Allez, c'est parti. Ok, nickel. Et bah, c'est parfait. C'est parfait. Du coup, on arrive sur la route 15. Route 15 qui est une nouvelle route. Attendez, route 14. Ah, il me semble que j'ai fait un fail. Attendez, on va vérifier un truc. Non, route 13, ouais, route 14. Donc c'était bien une nouvelle route. On a bien pu capturer un Pokémon ici. Ouais, j'ai cru que j'avais foiré et que j'avais capturé un Pokémon alors qu'on n'avait pas le droit. Mais si, si, on a bien le droit. Et du coup, là, c'est encore une nouvelle route. Bah écoutez, on va se faire les dresseurs et après, on capturera un nouveau Pokémon. Floravol, Floravol, on va y aller comme ça. Hein. Parce qu'il est nul, donc autant en profiter. Ténéfix. Ok, on a plus de trucs, donc on va y aller comme ça. Ok, parfait. Du coup, on a plus d'hypnose après. Ah ouais, mais c'est vrai, je peux pas. Je peux pas Devorev, il est aussi type ténèbres. Bah allez, c'est parti. Vanglas. Hop là, parfait. Charmillon, on va switch juste pour l'XP, même s'il peut plus attaquer. Et on va passer sur Raikou, allez. Et Flamèche. Il monte niveau 37, ça c'est cool. Boostiflore, du coup, on va pas changer. Hop. Parfait, niveau 38. Marcacrin. Parfait, voilà. Et logiquement, si tout se passe bien, il devrait évoluer. Et ben voilà, il évolue. Donc comme je vous avais dit, les Pokémon échangeables, vu que j'ai modifié la ROM, ils évoluent au niveau 37 et non plus par échange. Donc c'est ça qui est cool, c'est que du coup tous les Pokémon qui s'échangent, on peut avoir leur évolution au maximum grâce à la randomisation. Et donc voilà, on a un magnifique Ectoplasma. Et donc là, on peut vraiment dire que c'est un Spectrolo parce que c'est Ectoplasma son Pokémon préféré et pas Spectrum. Donc voilà, on va regarder les stats vite fait. A mon avis, l'attaque spéciale va être bien cheatée. Oh que oui, 113 d'attaque spéciale. Regardez-moi ce cheat intégral, les gens. 114, ouais. Il est vraiment badass de ouf. Oui, ça veut rien dire, mais on s'en fout. Allez, on va partir avec Aiko, du coup. Et puis on va se faire des combats, histoire de... Bah, on va tous les augmenter niveau 41 par 1. Kémorse, aïe. Kémorse, on va pas laisser lui... Morse, on va partir sur les diamants. Surpuissance, Sbim. Fail one shot, hein. presque. Mais ouais, presque. On a failli, ça aurait été bien le one shot. Ponyta, bah allez, on remet Aiko. Hein. Une petite vive attaque encore. Osley, j'aurais dû switch, ouais. Parce que s'il me fait une attaque sol sur Aiko, ça fait mal.
Ok, bah cool. On va faire un petit truc. Au lieu d'entraîner Aiko, on va entraîner lui. On va entraîner Or Massif, histoire qu'il évolue niveau 45. Donc, ouais, c'est une bonne idée. Je pense que mieux vaut qu'on fasse évoluer lui avant. Hop, ça c'est fait. Niveau 40, ça c'est cool. Articodin. Oh non. Articodin, les gens. Articodin, c'est assez ouf quand même. C'est assez ouf. Mais normalement, on devrait se le faire sans trop de soucis. Ouais. Ouais, ouais, ça va le faire. Ok, parfait. Hop, à toi maintenant. Alors, lui, on va switch, lui, parce que ça craint un peu. On va partir sur Sky Legend. Allez, un petit dracorage. Encore un petit dracorage. Ok, parfait. Skelenox, bah, on va repartir sur Or Massif. Un petit psycho. Ah, c'est pas le one shot, ok, bélier. Ah, mais merde, je suis con, pourquoi j'ai fait bélier? Évidemment que ça marche pas, c'est tout à fait logique. Parce qu'il y a type spectre, hein, type spectre. Ça empêche les attaques de type normal et combat. Donc voilà. Ouais, on va continuer. J'aurais peut-être pas dû. Ah, ok, c'est bon. C'est les rocs. Non, on va switch là. On va switch, on prend pas de risque. Surtout qu'il peut avoir explosion, il me semble. Ok, c'est bon, parfait. On va voir si on n'a pas un truc pour soigner notre Or Massif. Déjà, on va foutre une potion. Pas sur lui. C'est pas sur lui que je voulais mettre, mais c'est pas grave. Ah non. Est-ce qu'il n'y a pas une potion? Enfin, un truc anti-brûle. Ok, parfait. Ok, allez, let's go. Maintenant, c'est parti. À toi. Recoupe, psycho. Ok, one shot. Niveau 41, ça c'est cool. Deoxys. Oh. Écoutez là, les gens. Je sens qu'on est en train de rencontrer tous les légendaires qu'on n'avait pas rencontrés avant. Là, moi je vous le dis, je le sens. Provoque, ok. Poursuite, one shot le Deoxys. En même temps, il a une très mauvaise défense, mais il a une puissance d'attaque phénoménale, Deoxys. C'est hallucinant. Psycho, claque, ok. Lui, on va faire psycho. Ok, bon, bah on va faire griffacier. Ok, parfait. Et c'était Coxyclac, j'ai dit Coxyclac ou je sais pas quoi, mais c'est Coxyclac. Mais bon, de toute façon, voilà quoi. On enchaîne les dresseurs, c'est pas. On s'en fout un peu de du nom des Pokémon. Ok, celui-là il est mort aussi. L'énergie. Ouais, ok, griffacier, ça fait à peu près pareil. Même si c'est pas très efficace. Un Métang. On va switch maintenant. C'était juste pour qu'il prenne XP, hein, que j'ai pas switch. Hop, Flamèche, ciao. Hop là, nickel. Allez, à toi. Ah, on arrive au bout des dresseurs. Ça, c'est plutôt cool. Comme ça, il nous restera plus que bah, capturer un. Mais non, mais tu rigoles, toi, avec ton lait à boire. Ok, il est mort. Mimigal, allez, griffacier, ok. Et Togetic, griffacier. Ok, il a fait vœu, c'est pas grave. Et il est mort. Ok. Il me semble qu'il y a des dresseurs au-dessus, donc on va aller faire les dresseurs. Ouais, on va faire les dresseurs du dessus avant. On garde le suspense pour capturer le Pokémon, attention. Allez, coupe l'arbre vite fait. Hop. Donc toujours route 15. Toi. Allez, c'est parti. Un Terral. Ok, bon bah. Allez, hein. Il y a pas mal de Terral et de Métang en ce moment, je trouve, dans ce random. Mais bon, c'est pas plus mal, hein, parce que... Ok, Galeking, Galeking, on va switch, hein. Galeking, on va passer sur... sur Sky Legend. Ok, il rate son queue de fer, ok, c'est parfait. Niveau 39, ok. Pour l'instant, ça va, on s'en sort bien. Petit tard, Elipoutou, ok, bon, bah, pas de soucis. On va faire Griffacier sur lui. Et ouragan sur les deux. Hop. Alors, griffacier, ouragan. Hop là. Parfait. Ok. Du coup. What? Reste-t-elle? Allez. Pikachu, ok. Il n'y a pas de souci. Pourquoi j'ai fait bélier? Je sais pas. Mais en tout cas, ça a raté. Donc, tant mieux. En fait, ça m'arrange que ça ait raté. Il veut se la jouer reflet. Ok, bon bah.
Vous savez quoi, on va passer sur Sky Legend. Parce que c'est, il est en mode chiant là le truc. Donc j'ai pas envie qu'il me tue mes tanks, donc voilà quoi. Ok, parfait. Ok, du coup on arrive à la fin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se soigner et après on va revenir capturer le Pokémon dans la route 15, du coup, vu qu'on n'en a pas capturé. Donc voilà, on arrive à Parmanie, la ville du jeu suivante, quoi. Oui, d'ailleurs, dans l'épisode précédent, ouais, j'avais oublié de mettre le badge de l'arène, donc c'est chose rectifiée normalement dans cet épisode, il y est. Ouais, j'avais oublié de mettre le badge de l'arène de Morgane qu'on avait battu. Donc, ouais. Normalement, là, il va y être. Enfin, il y est depuis le début de l'épisode, quoi. Donc, voilà. Hop, allez, on retourne. Et du coup, voyons voir ce qu'on a. Attention, et attention, attention, attention. Suspense. C'est un Morpheo. Eh ben, écoutez, référence au Magma Challenge, on va l'appeler Testiboule. Enfin, on va tenter de le capturer et de l'appeler Testiboule, quoi. Ok, c'est bon, on le tue pas. C'est un Morpheo pluie. Ok, Morpheo soleil maintenant. Poudreuse, ok. Hop, Super Ball. Grêle, ok, Morpheo grêle. Il nous a montré toutes ses formes, quoi, le mec. Ok, parfait. Oui, donner un surnom, donc on l'appelle Testiboule, hein. Hop. Testiboule, voilà. Ouais, on va mettre qu'un L, on s'en fout. C'est pas grave. Voilà, Testiboule. Ok, du coup, let's go voir ce qu'il y avait. Oh, Cisaiox, ça aurait été mieux, hein, franchement. Oh, Wailord. Ah, Wailord, c'est badass. Eoko, non, Eoko, c'est pas bien. Graiena, ça aurait pu être bien aussi. Ouais, non, mais Wailord et Cisaiox, ça aurait été tellement mieux qu'un Morpheo, quoi. Graiena encore. Wailord, ok. Graiena. Allez, on va faire encore 3 rencontres. Graiena encore. Morpheo. Allez, dernière rencontre. Graiena, ok, bon. Bah, y a plus rien. Allez, on. Ah, bah, ok, encore une rencontre. Allez, fuite. Ok, bon. Et bah écoutez, on a eu un Morpheo. C'est pas grave, hein, c'est pas si nul que ça. Du coup, ce qu'on va se faire maintenant, maintenant qu'on a fini cette route qui avait masse de dresseurs, hein, vous l'avez bien vu, il y avait énormément de dresseurs parce qu'on avait commencé la route tout en haut en partant de l'avant-ville à la fin du dernier épisode. Et là, on est déjà à 18 minutes de cet épisode, on vient de la finir, quoi. Donc c'est quand même long comme route, sachant que les dresseurs, je les fais en accéléré en plus. Donc imaginez ça. Ça fait quand même un truc assez fou. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au parc safari. Juste avant, on va aller dans cette maison. Parce que dans cette maison, c'est pas dans cette maison, ok. C'est le fail, le fail, le fail. J'ai cru que c'était dans celle-là, mais c'est pas dans celle-là. Alors, est-ce que... Elle est où la maison? Je me rappelle plus où elle est la maison. Il y a une maison où il y a un vieux dedans normalement. Elle doit être là en fait. Ouais, elle est là. Je crois que c'est celle-là. Il me semble, hein. Ouais, c'est celle-là, voilà. Alors lui, normalement, il va nous dire... If, if, et où, vieux? Ah, et si, et vivou. Oui. Et voilà. Il sait pas parler. En gros, ça sous-entend qu'il a oublié. Enfin, il a perdu son dentier, tout simplement. Donc, alors, toi, on va te parler. Je suis le grand frère du maître pêcheur. C'est un truc, c'est la pêche, ouais. Tu vas avoir quelqu'un de bien, prends ça. Et voilà, on a la super canne, ça, c'est cool. Ok, on s'en fout, chute. Oui, voilà. Hop. Du coup, ici, il n'y a absolument rien. D'ailleurs, on pourra capturer un Pokémon, du coup, vu qu'on a la canne. Mais je pense qu'on va attendre d'avoir surf et on va surfer, ça sera mieux. Pour avoir un Pokémon dans cette ville. Hop. Vu que c'est une nouvelle zone, hein, la ville. Hop. On passe par là. Et du coup, on a le parc safari ici. Parc safari qui est une zone. Je sais pas. On va voir ça. Bienvenue au parc safari.
Oh, on a la masse d'argent, on est blindés les gens. Juste 500, ça te plaira, ok, machin, qu'en dis-tu? Oui, allez, hop, voilà. Et on reçoit 30 Safari Ball. Ok, du coup, on va pouvoir capturer un Pokémon dans ce parc Safari. On va voir sur quoi on va tomber, let's go. D'ailleurs, dans chaque zone, il n'y a pas les mêmes Pokémon, donc on va plutôt aller dans une autre zone. Je sais pas, on va voir sur quoi on tombe. Attention, 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 attention. C'est un aval tout, c'est de la merde. Totalement. On balance une boule, il ressort, il surveille. Il ressort, il surveille. Il ressort, il surveille. Il ressort, il surveille. Ok. Il surveille encore. Il surveille, mais il surveille combien de temps? Ok, il s'est enfui. Bon bah écoutez, on va voir ce qu'il y avait. Nirondelle, nul. Trio Picker, ça aurait pu être bien. Octieri, ouais. Rondoudou, ok. Lanturne, ok. Encore Rondoudou. Ah, Mentali, ça aurait été cheaté. Ok, on va aller voir dans l'autre zone, vite fait. Juste voir ce qu'il y avait dans cette zone. Du coup. Tilton, ok. Toudoudou, c'était nul aussi. Arbok, ouais, non. Mascadra, Tilton. Ah, Gardevoir, ah, Gardevoir, ça aurait été good. Ça, ça aurait été franchement super. D'avoir un Gardevoir. Mais putain, pas à pas, je veux faire fuite. C'est pas grave, hein, si on utilise tous les pas de ce truc, on repayera le... Ouais, bon, ok. En gros, il n'y avait plus rien d'intéressant ici. On va aller voir dans la zone d'après. Ah, Migalos, ici, il y avait, ok. Pourquoi pas. On va aller voir dans la zone qui est plus loin, du coup. Il me semble qu'il faut passer par là. Guérison, ok, ça c'est cool. Les cabanes qu'il y a aussi, elles servent à rien. Donc on va pas aller dedans. Ok, encore Migalos parce qu'on est dans la même zone. Hop. Là on est dans une autre zone, du coup là on a des nouveaux trucs. Alligator, oh ça aurait été badass. Ça aurait été tellement mieux. Kémorse, oh. On aurait dû y capturer ici. Crisacier par contre c'est nul, hein. Ah ouais, carrément nul ça. Kirelia. Ding dong, ok, temps écoulé. Hop, on retourne, allez hop, on va y retourner en accéléré. Hop, allez on court. Let's go. On retourne du coup bah, à l'endroit où... C'est pas par là, c'est par là, voilà. On retourne à l'endroit où on était, voir un petit peu ce qu'il y avait dans la troisième zone. Hop. Parce que bah, on va voir si on aurait pu avoir un truc cheaté, hein, mais déjà Alligator et... Je sais plus ce que c'était l'autre truc. C'était Alligator et quoi? Ouais, je sais plus. On va bien voir ça de toute façon. Attendez, je me rappelle plus ce que c'était. Oh, Regirock. On aurait pu avoir Regirock ici, ça aurait été tellement beau. Magikarp, bah si on le fait évoluer, Magikarp c'est pas si pourri. Kirlia encore. Balignon. Love Disc. Ouais. Bon, clairement, c'était la meilleure zone pour le moment, celle-là. Encore Love Disc. C'était Alligator. Mais je sais plus ce que c'était l'autre truc bien. Il y avait un autre truc cheaté. J'aimerais bien retrouver ce que c'est. Non mais stop les Alligator. Okay, il y avait Regirock aussi. Mais il y avait un autre truc. Oh Celebi. Non mais ils sont pas sérieux. Bon bah voilà, on a rencontré encore un nouveau Pokémon qu'on n'avait pas vu. Ça fait 3 Pokémon légendaires qu'on n'avait jamais vu dans cet épisode, il me semble, hein. Parce que Articodin, il me semble qu'on l'avait jamais vu. Deoxys non plus. Et Celebi non plus. Par contre, Regirock, on l'avait déjà vu. Regirock, on l'avait déjà vu. Ça, je me souviens. Ok, bon, on va aller dans la dernière zone du coup. Hop, on trouve la dent d'or. Donc voilà, la dent d'or, c'est ce qu'on va devoir donner au vieux pour qu'il arrête de bafouiller. Voilà. Hop. Là c'était reflet, ok. Et ici normalement on a la cabane du vieux. Enfin, c'est pas le vieux mais on s'en fout. Ah quand même. Enfin quelqu'un qui a découvert ma cabane secrète. J'avais peur que personne ne gagne notre prix. Félicitations, tu as gagné. Et on obtient la CS03. CS03 dans la poche objet, ok. Et c'est surf. Et c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool, t'as de la chance. Ok, bah je sais que j'ai de la chance. Donc voilà, hop. Du coup, bah, on va l'enseigner surf si on peut. On va voir s'il y a quelqu'un qui peut l'apprendre.
What? Ok, Sky Legend il peut. Bah écoutez, on va mettre à Sky Legend hein. Ouais. Moi je suis pour hein, je lui mets. Du coup on va enlever souplesse hein. On l'utilise jamais, c'est nul souplesse. Hop. Parfait. Et bah écoutez, du coup on va voir ce qu'on a ici. Je peux pas faire surf. Impossible à utiliser avant le prochain badge. Ah ouais, on n'a pas le badge encore. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Ouais, du coup, on peut pas voir ce qu'il y avait dans cette zone. Bon, c'est pas grave. On va continuer de fouiller cette zone, histoire que le chrono il s'arrête. Bon, bah voilà, ding dong, temps écoulé. Ok, parfait, bah on en a fini avec ça. Du coup, on va aller remettre la dent d'or au mec. Enfin, au vieux quoi. Et on va voir ce qu'il nous dit. Puis après, je pense qu'on s'arrêtera là pour cet épisode. Comme ça, prochain épisode, on fera l'arène. Ce qui me paraît plutôt bien. On fera l'arène. Et pourquoi pas, bah, dans le prochain épisode, encore avoir une évolution et faire évoluer notre Pokémon. D'ailleurs, il me semble que c'était la toute première évolution et qu'on n'en avait jamais eu avant. Hein. Il me semble que c'est notre toute première évolution. Ouais. En fait, quand j'y pense, c'est la première évolution, le Spectrolo. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est plutôt cool. Ok, bah on va aller lui donner ça. On lui donne la dent d'or au gardien, voilà. Et donc, le gardien peut remettre son dentier. Merci, gamin. C'était un peu dur de me faire comprendre. Je pouvais plus travailler. Quelle horreur. Tiens, voilà pour te remercier. Et il nous donne la 1604. 1604 qui est force. Donc, on va la prendre. On va la prendre. Parce que c'est utile, force. Genre Spectrolo peut apprendre force. Ça je savais pas du tout. Donc on va le mettre à banane. D'ailleurs banane il est un petit peu en retard en termes de niveau. Mais bon c'est pas très grave. Bah du coup vu qu'on a fait une magique, trancherbe ça sert à rien. On va enlever trancherbe. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. Hop, et du coup, on va pouvoir faire force. Parce que force, on peut le faire avant d'avoir battu l'araignée, il me semble. Hein. Ouais, c'est ça. Nickel. Et du coup, on trouve un super bonbon. Et ça, c'est good, les gens. C'est parfait. Hop, on va juste vite fait voir ce qu'il y a dans cette maison. Je me rappelle plus. Ah, mais si, on est passé, c'est le maître pêcheur. Ah là là. Et ben, on va aller se soigner. Puis du coup, on va s'arrêter là. Et prochain épisode. On ira directement battre le champion. Juste voir route 18. Ah c'est une nouvelle route là. J'avais oublié. On va du coup faire les dresseurs vite fait. Parce qu'on a le temps. Allez on a le temps de faire ça pour la fin de cet épisode. Titar. Hop. Tac. Machoc. Hop. Mysterbe. Ok bon bon. On est en mode full one shot là. Allez hop. À toi. L'euphorie. Ouh. L'euphorie, il faut faire du physique, voilà, one shot. Ouh, 1500 points d'XP, ça c'est cheaté. Taillon, hop, parfait. Et du coup, à toi, le dernier. Que l'Orior, ok. Allez, griffe acier. Hein. Ok, parfait. Parfait, parfait. Et du coup, c'est route 18, on va pouvoir capturer un Pokémon. Et attention, 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 attention. C'est un fucking Dracolos. Alors je sais pas si on prend le risque de se dire que c'est un doublon et qu'on prend le prochain. Parce que Dracolos c'est quand même badass. Mais moi je suis joueur donc on va prendre le risque. Et le prochain c'est un Drabi donc j'ai envie de vous dire. On n'a pas perdu grand chose. Il est juste pas évolué c'est tout. Mais Drabi c'est juste énorme. On a un Dracos dans notre PC, on a un Drabi donc on en a deux du coup. Donc c'est plutôt bien hein. C'est plutôt bien. Hop. Du coup une ball. Par contre il a un taux de capture assez foireux. Mais c'est bon on l'a eu. On l'a eu. Comment on va l'appeler du coup? Alors l'autre je l'avais appelé Bibindom. Lui on va l'appeler tête dure. Parce que dans le dessin animé il me semble qu'il se frappe la tête partout je crois. Ou un truc dans le genre. Donc on va l'appeler tête dure. Ouais tête dure. Tête dure. Voilà. Ok. Tête dure a été envoyée dans le PC. Ok. Ok, bon, bah on va voir ce qu'il y avait d'autre du coup.
Polychombre. Ah, Polychombre, clairement, j'aurais pas aimé. Fortress, ça aurait pu être pas mal, Fortress. Mais ouais, Nidorina, non. Nidorina, ça aurait été pas bien. En fait, on a eu le mieux, quoi. On a eu Dracolos en premier et après, on a eu le deuxième meilleur. Donc, ouais, on a eu de la chance pour le coup. Serpang, à Serpang, ça aurait pu être bien, mais non. Honnêtement, Drabi et Dracolos, c'était bien mieux. Ah, Electek, c'était bien. Electek, ça aurait été bien. Franchement, Electek, ça aurait été bien. Vite fait, ouais. Il reste plus rien. En gros, c'était ça. Ouais, Balignon. Ouais, en gros, le mieux, c'était Dracolos, quoi. C'était Dracolos. Là, on peut pas y aller parce qu'on n'a pas la bicyclette, donc ça sert à rien. Et du coup, on va s'arrêter là. Ouais. Clairement, qu'on se le dise, c'est parce que c'est la route 18 comme crawler 18, c'est pour ça qu'on a eu de la chance sur cette route. C'est tout à fait normal. Et du coup, voilà, on va s'arrêter là, on va se soigner. Et ça va être la fin de cet épisode. Épisode 15 de Pokémon version Rouge-Feu. En tout cas, voilà, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si c'est pas déjà fait. Et du coup, moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Pokémon version Rouge-Feu en Random Nuzlocke. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien et à très bientôt.